Salut à tous, je suis bien content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo dans laquelle on va parler de palettes. Ça vous surprend, je sais. Non, plus sérieusement, on va parler d'un outil qui a été justement conçu pour démonter ces fameuses palettes. Vous savez tous que je fabrique beaucoup de meubles et d'objets à partir de palettes récupérées. Et bien que ce domaine, le bricolage à partir de palettes récupérées, présente selon moi, mais alors plein d'avantages, il faut quand même reconnaître qu'il existe une partie plutôt ennuyante et chronophage qui concerne, vous l'aurez deviné, le démontage de ces palettes. Vous n'imaginez pas le nombre de questions que j'ai pu recevoir au cours de ces précédentes années, de toutes les personnes qui me demandaient de leur donner des techniques et des méthodes pour leur expliquer comment correctement démonter ces palettes. À vrai dire, il existe différentes méthodes et différentes techniques pour démonter les palettes. Chaque méthode va avoir ses propres avantages, ses propres inconvénients et conviendra mieux à un certain type de palette. Donc pour démonter une palette le plus rapidement possible, en fournissant le moins d'efforts possible, tout en gardant le maximum de planches intactes, il vous faudra choisir la méthode en fonction de la palette que vous avez sous la main et des outils que vous avez disponibles. Je vais m'arrêter là, je n'ai pas envie de rentrer dans trop de détails puisque ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais pour ceux qui veulent en savoir davantage concernant les différentes méthodes qui existent pour correctement démonter ces palettes, en fonction de la palette que vous avez sous la main, alors vous trouverez des liens intéressants dans la description. Aujourd'hui, je voulais me pencher sur une méthode bien spécifique, ou plutôt sur l'outil qui est nécessaire pour employer cette méthode. Cet outil en question, je nomme démonte palette, et je trouve que ça porte plutôt bien son nom. Peut-être que certains d'entre vous connaissent cet outil et l'utilisent, mais de manière générale, je pense quand même qu'une grande partie d'entre vous sont restés avec le bon vieux pied de biche et le marteau pour démonter vos palettes. La méthode qui fait l'usage de cet outil est une méthode que j'utilise souvent, principalement pour démonter des palettes à chevrons, mais pas seulement. Les avantages d'utiliser un outil de ce type sont multiples. Le principal avantage à mes yeux va être le temps économisé. Ce sera beaucoup plus rapide de démonter une palette avec cet outil par rapport au temps nécessaire lorsqu'on démonte une palette avec un pied de biche et un marteau. Sans parler bien sûr de l'effort nécessaire. Avec un outil de ce type, on va pouvoir travailler de manière plutôt confortable, on pourra travailler debout et la colonne vertébrale ne sera pas toute courbée. Alors que lorsqu'on est avec un pied de biche et un marteau, on va dire qu'on travaille généralement dans une posture quelque peu inconfortable et qu'on est souvent obligé de frapper comme une brute avec son marteau. Bonjour la colonne vertébrale. Venons-en à l'objet de cette vidéo. Le principal inconvénient avec cette méthode qui fait l'usage d'un outil spécifique va être le fait justement qu'elle implique la nécessité de posséder un outil de ce type pour réaliser la méthode. Vous allez pouvoir vous procurer ce type d'outil de deux différentes manières. Soit vous l'achetez, soit vous le fabriquez. Pour tout vous dire, je suis en ce moment même en train de m'amuser à fabriquer mes propres modèles de démonte palette. Le problème avec ça, c'est que pour fabriquer ses propres modèles de démonte palette, ça demande généralement d'avoir un poste à souder sous la main. Et tout le monde n'a pas de poste à souder chez lui. Par contre, tout le monde peut récupérer des palettes et peut-être que certains d'entre vous qui ne peuvent pas vous permettre de réaliser vos propres modèles ont quand même envie de pouvoir démonter ces palettes en utilisant un outil de ce type. Donc la deuxième façon de s'en procurer va être bien entendu de se l'acheter. Vous allez donc pouvoir trouver certains modèles de démonte palettes sur internet. Et c'est en fait tout l'objet de la vidéo. J'ai fait quelques recherches pour voir les options qui nous étaient disponibles et j'ai pu trouver ce modèle-ci sur Amazon, que j'ai acheté pour qu'on puisse le mettre en œuvre ensemble et voir de quoi il était capable. Ça fait quelques temps que j'utilise. J'avais fait à l'occasion un petit live sur ma page Facebook pour vous montrer l'outil. Au passage, je vous invite tous à nous rejoindre sur cette page puisque je partage pas mal de contenu gratuit. Mais bref, lorsque j'avais fait ce petit live sur Facebook, vous avez été très nombreux à me demander de faire une vidéo plus complète pour que je puisse vous montrer l'outil en détail. Cette vidéo a donc été faite pour répondre à la demande de tous ceux d'entre vous qui m'ont demandé de vous présenter cet outil de manière plus détaillée. Rentrons donc dans plus de détails. L'outil que l'on va tester aujourd'hui a été conçu par MOB Outillage. Sur Amazon, il se nomme, si je me souviens bien, fourche double de levage. Ne vous inquiétez pas, pour ceux qui veulent aller voir, je vous mettrai un lien dans la description qui vous renverra vers la page de l'outil. Concernant le prix, j'ai pu l'acheter pour 45 €, si ça n'a pas changé. La structure de l'outil est intégralement en métal, en acier pour être exact, à part le manche dont on parlera par la suite. Les fourches de l'outil sont trempées et elles ont une dureté de 55 HRC. En termes de dimension, la hauteur du manche, on est sur une hauteur de 108,5 cm. Donc c'est une hauteur qui est plutôt généreuse par rapport aux autres options qu'on peut trouver sur le marché, mais très honnêtement, j'aurais bien rajouté une trentaine de centimètres en plus. Vous pouvez voir sur les outils que j'ai fabriqués, je ne suis pas y allé de main morte en termes de hauteur de manche. Tout simplement pour moi, plus le manche est long, plus l'effet de levier sera important et plus on pourra travailler de manière confortable.
Un conseil, si vous faites des recherches pour acheter un outil sur internet, prenez-en un qui a un manche suffisamment long. N'en achetez pas un qui a un manche inférieur à 1 mètre de hauteur. Parce que si vous vous retrouvez avec un outil qui a un manche de 50 cm, bah, bonjour encore une fois le dos courbé. Le principe quand même de cet outil va être de travailler debout de manière la plus confortable possible. En ce qui concerne le poids, je n'ai malheureusement pas pu trouver d'informations à ce sujet-là. Et faute de balance disponible, la seule chose que je vais pouvoir vous dire, c'est que l'outil, bien sûr, fait un certain poids, puisqu'il se doit d'être solide. Mais très franchement, il n'y a rien d'excessif. En tout cas, ce n'est pas le poids qui va nous empêcher de travailler avec l'outil plusieurs heures d'affilée. Parlons maintenant du manche. C'est un manche en bimatière. Vous pouvez voir qu'il n'est pas en parfait état. J'ai reçu l'outil avec ce défaut à l'origine. Donc soit c'est un défaut de fabrication qui concerne uniquement mon modèle, ça peut arriver. Ou alors dans un cas un petit peu plus grave, ce serait un défaut de fabrication qui concerne tous les modèles. Après, pour être très franc avec vous, ce petit défaut ne m'importe guère, ou en tout cas c'est pas ce qui m'importe le plus. Vraiment, mes deux critères principaux vont être d'une part la solidité de l'outil, et d'autre part, est-ce que l'outil fait correctement ce qu'il est censé faire. Donc on va voir ce qu'il en est pour ces deux critères principaux. Bon, premièrement, qu'est-ce qu'il en est de sa solidité? J'ai pu démonter plusieurs palettes avec, croyez-moi, et il a l'air d'être plutôt solide. Parfois, vous aurez du mal à démanteler une planche, la planche cassera si vous forcez trop, mais jamais j'ai eu de crainte que le démonte palette se brise ou se déforme. J'ai pu démonter des palettes sous la neige, je l'ai laissé l'outil plusieurs jours sous la pluie, et le revêtement a l'air de bien tenir. Il y a quelques traces de rouille au niveau des extrémités, mais rien de très grave. Donc sur le plan de la robustesse et de la durabilité dans le temps, on va pouvoir mettre les points, à part pour le manche, encore une fois, en bimatière qui m'est venu défectueux. Ensuite, deuxième critère sur le plan de l'efficacité pour démonter les palettes. Pour tout vous dire, je suis assez mitigé. Le plus grand défaut de ce démonte palette, c'est qu'il sera compatible uniquement avec un certain type de palette. Je ne vais pas vous expliquer en détail la technique correcte pour utiliser un outil de ce type, mais très rapidement pour vous expliquer le fonctionnement de l'outil. Le principe va être de mettre les deux fourches de part et d'autre du chevron, comme ceci, ou de la traverse, puis d'insérer les deux fourches sous la planche que vous souhaitez démonter. Ensuite, vous voyez que la base de l'outil va rentrer en contact avec le chevron. De cette manière-là, vous n'aurez plus qu'à tirer ou pousser le manche, ça dépend de la position dans laquelle vous êtes, pour faire un effet de levier et démanteler la planche. Dans ce cas-là, vous le voyez, sur cette palette à chevron, il n'y a aucun problème. Le vide entre les deux fourches est suffisamment grand pour que les deux fourches aillent de part et d'autre du chevron. Que ce soit le chevron intermédiaire ou les chevrons qu'il y a sur les extrémités qui sont plus larges. Maintenant, le problème arrive lorsqu'on va souhaiter démonter certaines palettes à dés. On va prendre l'exemple d'une palette EPAL. De la même manière que sur la palette à chevron précédente, pour démonter une planche, il nous faudrait venir insérer les deux fourches sous la planche en question. Et donc pour cela, il faudrait que les deux fourches aillent de part et d'autre de la traverse. Le problème, c'est que la traverse, vous l'imaginez bien, elle est bien plus large que la largeur d'un chevron. Et donc dans ce cas-là, lorsque le vide entre les fourches est plus faible que la largeur de la traverse en question, eh bien vous ne pourrez pas utiliser l'outil malheureusement. J'ai changé l'angle de la caméra pour que vous puissiez mieux voir la traverse. Pour ceux qui ne savent pas, la traverse, c'est la pièce qui se trouve ici. C'est une pièce de liaison entre les planches du plancher et les plots. Et comme je viens de vous l'expliquer, normalement les deux fourches devraient être de part et d'autre de la traverse pour pouvoir être insérée sous la planche qu'il y a à démonter. Le problème, c'est que le vide entre les deux fourches est plus faible que la largeur de la traverse. Pour vous donner quelques dimensions, on est sur un vide entre fourches de 8,5 cm. Et de manière générale, la largeur des traverses sur les palettes EPAL va se trouver entre 12 et 14 cm. Ça peut varier. Le faible vide entre les deux fourches va donc être le principal défaut de cet outil. C'est ce qui va le rendre incompatible avec un certain type de palette. Je pense que cet outil a été conçu pour le marché des palettes américains, dans lequel la majorité des palettes sont des palettes à chevrons. Et comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, il n'y a aucun problème pour démonter ces palettes à chevrons. Par contre, dès qu'il va s'agir des palettes à dés, ce ne sera pas la même chose. Tout va dépendre de la largeur de la traverse qui se trouve sur la palette en question. Si vous avez une palette à plots, une palette à dés encore une fois, qui a des traverses qui font moins de 8,5 cm de large, 8,5 cm étant la distance entre les deux fourches de l'outil, alors vous allez pouvoir démonter cette palette à plots, il n'y aura aucun problème. Par contre, dès que la palette aura des traverses qui seront d'une largeur supérieure à 8,5 cm, alors dans ce cas-là, l'outil sera inadapté pour la palette. Et la plupart des palettes à plots
ont des traverses qui font plus que 9 cm de large, malheureusement. Allez, ça va être l'heure pour moi de conclure cette petite présentation sur ce démon de palette. Ce qu'il faut bien retenir avant d'acheter l'outil, c'est qu'il ne sera pas compatible avec toutes les palettes. Encore une fois, il faut que le chevron ou que la traverse ait une largeur inférieure à 8,5 cm. Je vais pas y revenir, je pense avoir été assez clair sur ce point-là. Ceci dit, ça reste un outil, selon moi, qui est efficace. Il est résistant, durable, et il fait du bon travail lorsqu'il s'agit de démonter des palettes à chevrons. Donc je pense que si vous avez l'habitude de démonter ce type de palette, alors vous économiserez beaucoup de temps. J'espère en tout cas que la présentation de cet outil, de ses avantages et de ses défauts vous aura plu et aura pu aider certains d'entre vous dans vos choix. Maintenant, libre à vous de l'acheter ou non, ça ne me regarde pas, mais pour tout vous dire, ça m'importe peu. Pour ceux qui voudront l'acheter, vous trouverez ceci dit le lien vers la page du produit dans la description, comme d'habitude. Maintenant, bien que cet outil soit efficace pour démonter les palettes à chevrons, le fait justement qu'il ne soit pas compatible avec toutes les palettes m'a poussé à me mettre dans la soudure pour pouvoir fabriquer mes propres modèles de démonte palettes et surtout de pouvoir les fabriquer comme je les entendais. Celui-là est le premier modèle que j'ai fabriqué, j'en ai fabriqué d'autres et j'en fabrique encore, je fais plusieurs essais pour voir celui qui nous convient le mieux. Si vous souhaitez apprendre à fabriquer votre propre modèle de démon de palette, alors vous trouverez un tutoriel où je vous montre étape par étape comment fabriquer ce modèle dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Allez, sur ce les amis, je file car j'ai beaucoup de boulot qui m'attend dans l'atelier, j'ai pas mal de projets avec les palettes qui vont arriver prochainement, donc gardez bien l'œil ouvert. Sur ce, merci à tous, prenez soin de vous et à la prochaine.